Dis-le-moi. Parle fort. Eh bien, bonjour le monde entier à travers cet outil-là. Là. Je voulais m'adresser au président de la République française, quoi. Bon, il s'appelle déjà là, Macron, oui, et à tous les politiciens, quoi, l'année des républicains calédoniens, on va faire Calédonien républicain chez toi, Pagès, et puis qui encore, que serait la nouvelle Calédonie au cas d'indépendance, c'est ça, vous allez rentrer chez vous, oui. Tu ne peux pas écrire aussi, crier ici aussi, dans un pays qui n'est pas à toi, qui n'est pas chez vous, vous n'êtes pas chez vous. Parce que le pays là, c'est le Kanak seulement, oui. Et comment la Philippe Place et tout ça, la compagnie là, ici là, Germain. Et on a réuni encore un mec qui est incapable de faire quelque chose, quoi que ce soit. Oui, Macron ici qui parle de quoi, de la machin, machin. Mais vous allez faire quoi chez les Arabes? Si vous allez rester chez vous, la France, et que si vous êtes incapable de trouver des solutions pour... Oui, il ne faut pas compter sur le petit de pays ethniques comme les citoyens de l'acte 75 pour subvenir à vos besoins, non. Et pourquoi chaque pays il réclame sa liberté? Et pourquoi la France ne veut pas rendre la liberté de chaque pays? Et vous parlez de démocratie et de quoi? De merde. Oui, président de Mekoui, la République, oui. C'est vrai que moi qui te dis ceci, oui, à Wallis et Futuna, tu n'es pas chez toi. La Kanaki, ça appartient au Kanak et la France, d'ailleurs. Tous les Français qui se trouvent dans l'Océanie, vous devez rentrer chez vous. Et vous allez rentrer chaque pays, chaque peuple. Vous n'avez rien à faire ici, on n'a pas démonté la colonisation. Et je vois les failles poulets qui sont ici, là. Je fais une rencontre avec eux, selon Alessio Sacco. Le dernier des derniers, quoi, arrête de faire le fautif dedans là, sors de la politique, tu n'as pas honte d'aller crier chez les Kanaks que faire quoi? Tu n'es pas chez toi ici, c'est un Wallisien comme toi qui te dit, oui. Et pourquoi vous voulez faire la politique et vous n'allez pas en France, faire la politique en France? Républicain, vous voulez être français, rentrer à la France, vous faites quoi chez les Kanaks? Vous n'avez rien à faire et vous n'avez pas le droit à la parole dans l'Océanie. Vous avez fait le témoin à qui la permission? Sonia Paquet, là, comment là, et puis qui ou quoi, et comment créer quoi, bien nous, mais c'est qui ces machins? Mais pour c'est qui vous là pour venir parler de Tajapé qui n'est pas la vôtre? Hein? Paquet ici là, Sonia Paquet c'est là, dans les machins là, mais t'as une grande gueule toi, hein? Mais rentre chez toi, si t'es pas content, c'est Paris, rentre chez toi! Et puis qui ou quoi, voilà quoi, des Wallisiens. C'est à cause de Wallis et de Futuna que le pays il va mal, je le dis à haute voix. Oui. Vous êtes noyé dans la facilité de la France. Oui. Dans l'an 2000, l'an 2150, il n'y aura que 400 Wallisiens là-bas. Oui. Et le jour à Futuna, le jour que vous allez quoi, lever, oui, vous serez flinqué comme la blanche sont fait en arabe, le pays chez les Arabes. Vous serez fusillé. Il est temps de dire en plan là tout de suite là, de partir. Oui, et s'ils ne veulent pas écouter, c'est la seule solution, pas 36 solutions. Et la France est en partie. Et si, comment? Et que si ils ne veulent rien savoir, et c'est pareil aussi. Monsieur, comment là, le président là, on a été reçu, le collectif de ce projet d'idée là, oui, il a été reçu. Le premier par vos bureaux, le ministre, quand il est arrivé, il est venu avec un communiqué, le 13e communiqué, oui, on va s'opposer. Au référendum, il est hors de question que tu sois ici, illégal, que tu sois ici, sans droit ni titre, et tu as le droit, tu viens ouvrir ta gueule de merde, de blanc, dit français, tu viens dire ta gueule ici là, qu'on va faire un référendum. Va chez toi en France, fais un référendum chez toi, tu n'es pas chez toi dans l'Océanie. Écarte-moi toutes ces têtes, mais c'est qui? Philippe Place, l'incapable, lorsqu'on nous s'est rencontrés, comment là, le 21 mai 2015, à l'annexe de Coutillot, vous étiez un zéro. Hein? Vous étiez tous un zéro. Et vous avez fait appel à qui? La Toupé Caponé. Hein? Pourquoi? Parce que vous n'avez rien. Vous avez zéro avec vous. Qu'il soit diplomatie ou quoi, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Pour avoir... Non, mais couilles, oui. Et comment je vais dire, moi? Oui, l'esprit qui est dedans, là, oui. C'est pas comme l'intelligence artificielle que vous sortez de l'école. Là, là, vous quoi? L'indépendance serait la disparition des classes moyennes calédoniennes. Mais rentre chez toi, mec.
vous allez venir, vous avez trop de choses à dire, oui, parce que vous n'êtes pas chez vous. C'est peut-être que vous serez chez vous là, oui. Et quoi, c'est où chez vous? Hein? Vous ne reconnaissez même pas, vous acceptez avec tout le pays que vous allez là, et par-dessus tout quoi, vous écrasez là où vous avez été accepté et que vous allez à l'encontre. Je m'adresse à FLNK, c'est quoi ta politique à toi? C'est quoi ton problème? Tu vas crier à tes potences, machin, national, c'est quoi? Vous n'êtes pas des nationalistes, vous êtes zéro. Vous travaillez pour vos poches. Arrêtez de noyer le peuple avec vos discours. Référendum, inscrivez-vous. Pour faire quoi? Jusqu'à quand vous allez suivre la France, vous? Si vous êtes incapable de faire quelque chose dans le pays, oui. Arrête de faire la politique parce que c'est ça qui est merde. Le pays va mal à cause de ce putain de politique là. Et Flencas, il est où le président? Il n'y a personne. Le Rhin, il est où? On s'est déjà affronté plusieurs fois, monsieur Le Rhin. Et puis qui encore? Et aujourd'hui là, aucun média, oui, n'est capable d'intervenir là où il y a le suprogé. Pourquoi? Parce que là où la France elle arrête, là où la loi s'arrête, oui, c'est là que le suprogé du taille commence. Là où les avocats ils arrêtent, nous on commence à partir de là. C'est pour dire que comment la différence entre l'intelligence artificielle que vous avez les blancs, oui, entre l'intelligence naturelle, oui, qu'on n'a pas besoin d'être baptisé dans cette putain d'église, dans ce Dieu que vous avez volé chez les Arabes, oui. Quoi, c'est ça la démocratie française quand vous regardez bien la parole de la Bible, quoi, il disait comme ça. Doux comme un agneau. Russe comme les sapins. Voilà ce qu'est la démocratie française. C'était aller accaparer. Et quand quelqu'un dit que c'est à moi, coup de fusil. Putain, mais t'es tépine, mais t'es pas chez toi. Va rendre la liberté de chaque pays, monsieur le président. Si vous êtes qu'un pauvre discoureur, comme tout le monde, ça ne sert à rien que vous venez au Kanaki. Tu n'es pas chez toi ici, ni à Wallis et Futuna. Est-ce que vous, les blancs du français, est-ce que vous savez c'est quoi la honte? Quand on vous dit que vous n'êtes pas chez vous, c'est point bas. Vous n'êtes pas chez vous. Arrêtez votre politique de merde. Et vous allez tuer les Arabes, après vous allez accuser les Arabes. Arrêtez d'aller voler chez les Arabes. Et vous allez envoyer le peuple au Sénégal pour aller tuer l'Arabe chez lui. De quel droit? On n'a pas de conflit avec ce peuple-là. Pontez chien, sale blanc de merde. C'est à toi, monsieur Macron, que je m'adresse. Si t'as tes couilles, tu appelles au 95 00 et 21 et puis tu ramènes tes droits et toutes tes propriétés. Arrête d'aller aller faire clochage chez les gens. Et vous ne touchez pas les richesses à Wallis et Futuna. Vous avez pas de pain. Vous avez que la pine avec vous. Pontez chien. Oui. Vous n'êtes pas chez vous. Je merde votre politique, moi. Rentre chez vous à Paris. Celui qui dit quoi? Que non, arrêtez. Non, il y a les caletoches, les vrais caletoches qui se reconnaissent, oui. Et c'est avec le canac, parce que c'est le même sang, eux. Mais pas celui qui s'est jeté lui-même dans un avion pour arriver ici, là, chercher une seconde chose. Parce que vous avez abandonné la France, ils sont capables de faire quelque chose pour vous. Hein? Quand vous êtes arrivé ici, là, il y a des choses, oui. Il y a un danger là que les politiciens ne soulèvent pas. Un avion par jour, aujourd'hui c'est trois. Paris, Nouméa, et quoi? Macron, il a dit quoi? Conseil d'État? J'emmerde le Conseil d'État. Quoi? Si moi, le Français qui est ici là, il va voter. Va voter chez toi et ramasse tous les blancs, la France. Rends la liberté de chacun. Fais montrer que tu es lâche. Que tu as lâché les gendarmes dans le monde entier. Comme il est dit dans le communiqué, oui. La réforme de votre religion. Je ne veux pas votre religion, moi. Tout le monde, c'est un malheur, votre religion. C'est un malheur d'être français. C'est une malédiction. Oui, avec votre justice à l'envers. Oui. Allez voir des parcs à cochons ou des animaliers, des animaux, oui. Voilà ce que vous allez, toi, être éduqué. Vous, la France, le pays de quoi? De ça, zéro. Oui. Amène tes droits et tes propriétés, mec. Et arrête de venir crier, chanter, comment, Marseillaise ou quoi. Tu n'es pas chez toi. Monsieur Macron, que peu importe, tu dois venir parce que nous allons bloquer le pays. Tu dois ramener tes droits et tes propriétés, accompagner tes 500 000 juristes et tes 500 000 avocats. Oui. Sinon, ça ne sert à rien que tu maintiennes la démocratie ou quoi. Ce n'est pas à toi de te citer de nous.
Non. Vous êtes incapable de rendre le droit, de faire les choses comme il se doit. Les choses, c'est toi, c'est faire comme ça, oui. Là, vous allez, comment là, vous n'êtes pas chez vous. Et moi, je le dis franchement, tu n'es pas chez toi, Macron. Non. Et Wallisien, Futunien, réveillez-vous, mec. Arrêtez de se jeter bêtement dans le truc de merde à eux, là. Vous avez la coutume, la première puissance mondiale avec vous. Et vous êtes frais poulet, mais que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. J'attends toujours la réponse et le coup de fil. Oui. On veut faire quelque chose de mieux. Si la France ne veut pas ça, qui pas? Mais ce n'est pas à lui de venir imposer. Et puis vous, merci. Non, à vous. Ce n'est plus le ouvert, le Futuna que j'ai connu, moi. Non. Non, 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 non. Loin de ça. Et il y a mieux que ça, là. La politique, là, Sako, t'as pas honte de venir crier ici. Hein? On a fait montrer ta maison à la maison, t'as abandonné le pays. Je n'ai pas abandonné mon pays, ma force. J'ai refusé à Wallis de quitter le pays. Et ce putain de armée de blancs, ce machin là qui m'a poussé dans l'avion, oui. Et monsieur Macron et tous les politiciens ici là, arrêtez le vote. Oui. On n'a pas quand vous êtes arrivés, nous avons nos sujets à nous. Oui, on n'a pas besoin d'un politicien pour nous diriger. Vous allez à l'école, vous arrivez, le blanc il a pris vos places, à Wallis, il n'y a plus de place dans le machin. Et vous dites, vous allez attendre avec vos diplômés, et vous allez à l'école pour aller faire quoi, où, chez qui? La France est en train de vous éliminer petit à petit. La culture, la coutume, la culture, oui. Le ballon de foot, le quoi, entraînement de volleyball. Dans ce cas, il faut payer tout le sport, comme il est dit ici là, oui. Il faut payer tout le sport parce que maintenant là, il va vous noyer dans ces trucs là. Et quand vous. Il y a des choses. Le sport, il faut qu'il soit payé. Et le SMIC là, il faut qu'il augmente, oui. À 300 000, comme il est dit, le SMAC, oui. Même plafond. Et réforme. Il faut réformer l'impôt. On n'a pas le droit de payer un impôt. La France, oui, il doit payer lui un impôt. Et il faut répéter l'article 34 et le 34 cours. Oui, dans chaque pays, parce qu'il y a 34 pays. L'article 34, c'est qu'il y a 34 cours en fait communs dans chaque pays colonisé. La France, c'était le pays le plus gentil, comme on dit, oui, s'il te plaît. Rentre la liberté de chaque homme. Et si tu veux continuer à donner de l'argent, mais donner à bon cœur. Hein? Parce que tu donnes là les saletés, oui, quand le SMIC et le SMAC, oui, tu récupères tout. Mais seulement c'est l'Océanie qui est esclave dedans. Voilà. Si vous êtes plus intelligent que ça. Hein? Sinon, arrêtez de faire les discours, machin, diplomatie de merde, là, monsieur Hollande, machin, monsieur Macron. Non, votre diplomatie, voilà pour moi. Parce que vous allez faire 30 secondes avec moi, je vous dis que vous allez prendre la lune. Vous n'avez aucune intelligence. Vous n'avez que de l'intelligence artificielle pour saluer la sagesse française, oui. Soit vous prenez votre école à charge, comme parce que c'est votre putain d'école. Oui. Réformer l'école, on va réformer la religion. Ce n'est pas, on n'a pas démonté. Non, c'est votre religion. Arrêtez de dire dans l'article comment? L'article 3 du statut de Wallis 61, là, que le Wallisien, le 3, ça c'est leur religion, leur croyance. C'est toi qui as ramené ça. On a dit à toi, notre Dieu, c'est en loi. Toi, tu as amené un Dieu des Arabes qui t'a volé. Rendre ce qui a, c'est ça, c'est vous qui a dit. Et arrêtez votre démocratie, votre vote de merde là. Vous allez diviser encore le Kanak. Comment la noyer encore la génération? Non. Nous, on va être devant vous là, oui, on va dire à la France là, il est temps que tu arrêtes ton machin là. Non, il est temps que tu arrêtes. Et l'Océanie, réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple océanien, il est encore temps que vous se réveillez. Oui, ne vous laissez pas noyer. Il ne faut pas faire confiance à nos élus parce qu'ils travaillent pour leur poche. Que tu sois FLNKS ou Ring ou comment. Ils sont tous payés par la France, s'il vous plaît. Arrêtez de voter. Il y a nos élus, comment là, nos coutumiers. C'est tout ce qui. Oui. Ils ont besoin de vous, nos sujets coutumiers, oui.